Sarah pose des questions. Sarah en apprend davantage sur le vaccin contre la COVID-19. Votre santé semble bonne, Sarah, et le bébé se développe bien. Avez-vous des questions ou de préoccupations dont vous souhaitez parler aujourd'hui? Merci. Je suis très inquiète au sujet de la COVID-19. J'ai entendu tellement d'informations différentes sur le vaccin, donc j'aimerais vous poser quelques questions. Je vous en prie. Je suis ici pour vous donner des informations dont vous avez besoin afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Je voudrais savoir si je devrais me faire vacciner. Le vaccin sera-t-il sans danger pour mon futur bébé? Oui, le vaccin permet aux gens d'éviter de devenir très malades. Le fait d'attraper la COVID-19 lorsque vous êtes enceinte vous expose à un risque plus élevé de développer une forme grave du virus et peut-être entraîner d'autres effets négatifs comme une naissance prématurée. Est-ce qu'allaiter mon bébé après avoir été vacciné comporte un danger quelconque? Il n'y a aucune preuve démontrant que le vaccin présente un risque pour les bébés nourris au lait maternel. En fait, comme c'est le cas avec d'autres vaccins, nous pensons que les bébés bénéficieront d'une certaine protection immunitaire grâce au lait maternel si leur mère s'est fait vacciner. Nous recommandons aux femmes qui allaitent de se faire vacciner. J'ai entendu dire que le vaccin contenait des substances qui m'empêcheraient d'avoir un autre enfant. Est-ce que c'est vrai? Le vaccin ne vous rendra pas stérile. Grâce au vaccin, votre corps apprendra à reconnaître et combattre le coronavirus au cas où vous y étiez exposé. Le vaccin ne peut pas vous transmettre le coronavirus. Si une personne a déjà été infectée par la COVID-19, doit-elle tout de même se faire vacciner? L'une des choses que nous sommes en train d'apprendre sur la COVID-19, c'est que nous pouvons l'avoir plus d'une fois. Avec la COVID-19, vous pouvez être protégé pendant un certain temps après l'avoir eu pour la première fois. Mais ensuite, votre protection s'estompe et vous pouvez être de nouveau infecté. Pour le moment, nous recommandons aux personnes qui ont eu la COVID-19 de se faire vacciner. Merci docteur d'avoir répondu à toutes mes questions. Je sens que je peux prendre une décision éclairée sur la prise du vaccin. Eh bien, j'en suis vraiment contente, Sarah. Si vous n'êtes toujours pas sûre ou si vous avez d'autres questions, on pourra s'en reparler. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez visiter le site www.healthvermont.gov/myvaccine ou téléphonez au 855-722-78-78. Appuyez sur le 1 pour les services d'interprétation.